Salut tout le monde, bienvenue sur ce fond de route. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la série Dans le train. Aujourd'hui on va prendre un TGV réseau en première classe et on va voir un petit peu ce que ça vaut, ou du moins ce que valait la première classe dans les années 90, à l'heure où les sièges ont été refaits par Christian Lacroix. C'est parti! Ah, mon carrosse. Oh, mais c'est exactement la même rame que quand j'avais loupé mon train. Ça alors. Tu ne vois sûrement pas de quoi je parle, alors attends, je vais t'expliquer. Dimanche dernier, c'était mon père qui devait m'emmener à la gare, sauf que, pour des raisons que je ne peux pas vous communiquer, mon père est arrivé en retard à la gare, et du coup ça a donné ça. Merci papa de m'avoir fait louper mon train. Stop, là, comme vous pouvez le constater, quelqu'un m'a chourave ma place sans aucun respect. Sans trop se mouiller, ça l'est, mais là où c'est surprenant, c'est à quel point ça l'est. À ce stade, je ne parle plus de siège, mais de canapé. Je vais dans le cadre du plan. L'intervention des équipes de
Le 4524, c'était le numéro de notre train. Il venait de Bruxelles Midi et donc il relie Marseille-Saint-Charles. C'est un TGV réseau tricourant, fabriqué en 1998. Et pour un TGV de 40 ans, eh ben, la première classe, franchement, elle est wonderful. Clairement, les 40 ans ne se voient pas. Sur ce, moi... Eh bien, je pars à l'école. Je vous laisse et je vous dis